Non. Le con. Où est-ce que je suis? Où on est? Mais qu'est-ce qui se passe? Non. Oh là là là. Oh my god.
Salut Cornflex. Ça va bien? Mauvaise nouvelle, on reprend juste avant de rencontrer Louis. Ça va me permettre justement de prendre des items avant la grosse bagarre. Rien faire ici. Ok, ça c'est bon. Ah, il y a des caisses ici. Parfait. On va lui donner un truc. Voilà. Il y a quelque chose là-dedans? Non, je crois pas. D'accord. Bon, ben, let's go, hein. Let's go. C'est par où? C'est par là. Il y a des pièges là, ouais. Ok, donc toi, hop. Tu te mets là. Ah. Ah, ok, il y a une sauvegarde ici, donc... Ok, j'avais pas vu. J'avais pas vu la dernière fois. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, bon. Encore des conneries. Bon, on sauvegardera peut-être une fois qu'on aura un peu clear la zone. On va péter ces trucs. Ok, est-ce qu'il se ramène? Voilà, trois petits coups. Ça c'est pas mal. Si on pourrait faire ça à chaque fois, ça nous éviterait de dépenser beaucoup de munitions. Examiner, on s'en fout. Ah, peut-être qu'il y a un truc. Bon, il n'y a rien. Ok. Recharger. Alors, est-ce qu'il y a des petits trucs à ramasser? Ouais. Ah, il n'y a que dalle. Bon. Alors, ouais, là, il y a un mec. Là aussi, ils sont plusieurs. En fait, je crois que j'ai compris. Il faut viser les jambes, c'est pas mal. Parce que je pense que ça... Ne pas tirer dans la tête, c'est mieux, étant donné que maintenant il se transforme. C'est plus logique de viser. Okay. Oh! Oh, bien joué! Ah, il court, hein. Ok. Toi avec ta hache. Ok, parfait. Ah merde, elle s'est transformée. On n'a pas une petite grenade vite fait là? Ouais. Ouais, c'est mieux ça. Prends pas de risque. Et si je parle? Bah, je commente en même temps, donc. Je regarde de temps en temps. Mais là, c'était entre vous, donc. J'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Ok.
Je sais pas, lancer un sujet, on peut après on parle quoi, normal. Salut Buglion Live, j'espère que je prononce bien. Bienvenue à toi. Du coup, on va juste, on va faire gaffe. Est-ce que de là on peut choper le truc? Ouais. On fait gaffe au piège quand même parce que. Ah ok, là il y a un truc. Je pense qu'on va réussir. On va réussir la phase avec Louis. C'est juste qu'elle est longue. Et il faut vachement gérer. Il faut bien gérer son inventaire. Je pense que la dernière fois j'avais fait un peu n'importe quoi. Alors que pourtant, ben, je sais pas, la dernière phase était plutôt pas mal, c'était la meilleure d'ailleurs. Mais ils sont vrais, ça dure vraiment longtemps quoi. Ok, donc là il n'y a rien. Attention au petit piège. Est-ce qu'il y a des autres trucs? Je crois pas qu'il y ait autre chose ici. Non, là le truc s'est remis, c'est bizarre. Voilà, donc tout droit. Hop. Ok. Je crois qu'il n'y a plus de zombies. Enfin, d'infectés plutôt. C'est pas vraiment des zombies. Sur ce que tu veux, si c'est pas trop sensible, c'est bon, pas de problème. Hein. Je sais pas, on peut parler de tout et de n'importe quoi. Hein. Ok, il n'y avait rien du tout ici. Il y avait que dalle. Ok, donc là, je vais me faire niquer par le piège là. Ouais, du coup. Ah mais j'ai peur qu'elle se prenne dans les pièges après si elle a... J'espère qu'elle est pas aussi débile que ça parce que. Ah, pomme verte, la glace. Ah, je suis pas trop fan de pomme verte. Même vanille, je suis pas trop vanille. Hein. Ok, il en reste un. Tac, tac. Tac. Parfait. Sauter. On saute. Oh, 3300. Putain, c'est rare ça, 3300. C'est beaucoup d'argent. Ok, bon, je vais tous les désactiver parce qu'on sait jamais avec elle. Elle va un peu où elle veut. Bon, ça, on a assez de vie. Ah non, on n'était pas passé par là. Ah, attendez. Ah, du coup, on n'a pas sauvegardé. Ah, mais si, on était passé par là. Qu'est-ce que je raconte? Ok, on va faire un tour chez le marchand et on va sauvegarder après. Ok. Est-ce qu'on peut vendre des trucs vite fait? Je crois pas. Hein. Herbe jaune, ça c'est quoi? Ah ouais! Ah je savais pas, vert plus jaune, ça fait méga potion là, méga truc. Ah ben on va garder du coup, on vend pas. Hein. On va garder du coup. L'avantage des sorbets c'est que on peut faire des milkshakes. Ouais, ou plutôt des. Comment s'appelle ça? Des granitas, non? C'est pas ça qu'on dit? Des espèces de sorbets qu'on peut boire là. Sauf le petit bout de chocolat. Mais... Ouais. Ok. On va acheter des petits sprays. Parce que c'est vraiment ça qu'on a besoin. Des soins.
Hop, on dégage. On peut pas en prendre d'autres parce que je pense qu'on a pas mal de trucs. Optimisation. Optimisation. Fusil à pompe, voilà. Fusil à pompe, on est à 4,5. La contenance, hein, on s'en bat les steaks, hein, la contenance. Vitesse de rechargement. Ah, mais non, on perd. On est à 3,03 et ça nous fait 2,43. Donc c'est pas intéressant ça. On perd du temps. Bah, du coup, j'ai bien envie d'augmenter la contenance du coup. Ok. On n'est pas trop mal. Ouais, voilà. Donc, toi, on va te laisser là. Et du coup, maintenant, c'est ouvert. Est-ce qu'on peut revenir quand même? Ah, d'accord. Je suis obligé de prendre Ashley pour ouvrir cette porte. D'accord. Ah, ouais, d'accord. On peut pas traverser une zone sans Ashley. Ok. Ce qui est un petit peu logique du coup. On va les sauvegarder. Hop. Comme ça, on n'aura pas à refaire tout ça si jamais ça serait un peu chiant. Du coup, on va se remettre de la vie. On va juste prendre une plante, voilà. On va juste prendre une plante. Voilà. On fait comme ça. Ouais. Ouais, c'est une amélioration un petit peu pourrie en fait, donc faut pas le faire, sinon. Ah non, pardon, et eh oui, et non, on passe de 3 secondes à 2,4, donc c'était plus rapide. Ah oui, je suis bête. Oui, ça y est, j'ai compris. Oui. Ok. Oui, mais bon, on va pas le faire. Pour l'instant, on va pas le faire, on le fera la prochaine fois. Allez. Est-ce qu'on est bon? On va juste faire combinaison avec ça pour avoir la méga potion. Par contre, grenade. On avait plus de grenades. Quoique c'est dans la baraque, je crois. Ouais, on va recharger tous les trucs. Parce que sinon. Non, c'est pas ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut prendre alors? 30 avec 70, 5, 8. J'ai bien envie de prendre le pompe. On va voir. Non. Je vais trop vite. Ok, vite. Allez, on barricade. Ah, faut laisser appuyer, c'est vrai. Ok, allez, on chope tout. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On chope toutes les plantes. Hop, 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 ça c'est bon. Allez. Monte à l'étage. Ok, donc là il y a les grenades. Voilà, là il y a plein de trucs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là il y en a une. Voilà. Donc du coup, on va se mettre. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont ici. Je crois que c'est le meilleur angle ici du coup. Du coup, voilà. Pour l'instant, il se passe rien. Je crois que d'abord c'est par le bas. On va laisser Louis se débrouiller parce qu'il me semble qu'il ne peut pas mourir. Et on n'a pas de barre de vie
spécialement pour Louis. Donc du coup, hop. Ok, donc tant qu'il nous attaque pas, on va pas tirer. Parce que sinon, on va dépenser pour rien. Ok, ils arrivent. Comment il a fait lui? Oh! Ok, parfait. Il est mort. Ok. Ok, il commence à péter les vitres. Allez hop, ça dégage. Ok, attention. C'est là que ça commence à être un peu sérieux. Merde. Ok, bien joué Louis. Ok, il joue pas mal Louis là, il a empêché les mecs plusieurs fois de monter à l'échelle. C'est pas trop mal. Salut pour ceux qui viennent d'arriver. Ok, toi c'est bon, toi c'est bon. Ok, on a plus de munitions. On va prendre le TMP. Étant donné que ça défouraille tout. Ok. En tout, hop. Merde! Oh, il m'a tué d'un coup. Oh, putain, oh là là, je pensais que j'avais beaucoup de vie. J'ai pas dû regarder. Ah, j'ai pas regardé. Ah là là, c'est une phase un peu, c'est une phase un peu chiante. Une phase dure surtout. Le problème c'est que Léon se déplace assez lentement du coup dans ses déplacements c'est pas c'est vraiment assez lent comme déplacement du coup la caméra c'est pas nerveux quoi. Ah putain c'est chiant parce que on va y arriver, on va y arriver, hein, mais on va y arriver aujourd'hui, mais voilà quoi. Ouais, du coup, je vais regarder un peu dans l'inventaire. Voilà, on va combiner. Voilà, là on est pas mal. Attendez, on va combiner ça. Et on va... Non. Je vais aller trop vite. Combiner ça. Voilà, donc là on est bon. Ah, j'ai pas rechargé le TMP, c'est pas grave. Voilà, on va s'équiper comme ça. Allez. Non, non, c'est pas la première fois que j'y joue, Elpa. J'ai déjà joué il y a un moment déjà. J'avais envie de me le refaire. Oui, je sais pour les grenades. Hein. Je sais, mais voilà. J'essaie en fait de pas les utiliser trop vite parce que je sais que il faut les utiliser un peu quand c'est la pagaille, quoi. Voilà, lui, je l'ai tué d'un coup avec le pompe, c'est pas mal. Voilà, on va prendre tous les trucs là, vite fait. Ouais, parfait. Là, on les a tués d'un coup.
les mutations là. Non, c'est bon, il s'est pas transformé, on a eu de la, on a eu du bol. Là, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal, hein. Parce qu'il a, il a dit une ligne de dialogue qu'il ne dit jamais normalement à ce niveau. Ouais, du coup, attendez, hein. Petit coup de la grenade, je pense. Ok. On va encore utiliser le pompe. Là, on est pas mal. Du coup, je vais en profiter pour recharger vite fait. Hop, hop, hop. Je crois que c'est... Ouais, c'est là. Allez, ça devrait être fini là, oh. Faut arrêter les conneries maintenant. Ok. Oh, putain, qu'est-ce que je fais? Voilà, ils sont morts. Hop, encore le pompe. Ouais, c'est bon là, non? Pas fini? Oui, je sais, il me donne pas mal de trucs. Je voulais pas me retourner comme ça, mais bon, c'est pas grave. Ok, toi, la grenade. Bim. Alors moi, il devrait mourir là. Parfait. Voilà, c'était mieux là. Là, on a eu, je sais pas si c'est parce que Louis s'en a dégommé pas mal en bas, mais il y en avait moins en haut en tout cas, moins que d'habitude. Mode normal de difficulté. Si tu parles de la difficulté, on est en mode normal. Il y avait facile ou normal, hein, donc j'ai pris normal. Parce que facile, je pense que c'est trop facile justement. Et en général, dans les RE, le mode normal est pas le plus dur. Hein. Normalement, c'est vraiment le mode normal correspond au mode facile un peu. En tout cas, dans RE1, c'est le cas. Dans RE1, le mode normal est vraiment facile. Hein. Il y a même facile et débutant, et il y a carrément pratiquement pas de zombies dans RE1 si on met en débutant, quoi. Ok, bon. Ben. Voyons voir notre inventaire. On n'a pas utilisé, on a ramassé beaucoup de munitions pour le flingue. Parce que Louis nous en a donné pas mal. On va recharger nos armes. Du coup, on n'aura même pas utilisé le TMP. Le mode pro, ouais. Quand tu finis le jeu, tu débloques toujours de toute façon un niveau un peu plus dur. On va récolter quand même tout ce qu'il y a à prendre. Hein. Ok. Je crois pas qu'il y ait autre chose. Par ici, la sortie. Un marchand ici. Ah, il s'est mis là. Ok, ouais, je me rappelle d'ici. Je m'en rappelle. Ah, il y a une sauvegarde. Bah, je crois que. Bon, je fais un petit peu le tour pour voir s'il n'y a pas des objets à ramasser, hein, comme d'hab. Hein. Et après, on sauvegarde, bien évidemment. Que dalle ici. Ok, il y a l'air d'y avoir rien dans les alentours. On va save, on va sauvegarder. Ah ouais, deux itinéraires. Je vais lire un peu quand même parce qu'il y a deux trucs.
Il ne devrait pas y avoir de renfort tant que le gouverneur. J'aurais aimé que tu me dises à droite et à gauche ce que ça signifie. Alors, seuls deux itinéraires peuvent permettre aux Américains de s'échapper de notre territoire. Nous allons faire appel à tous nos effectifs. Nous concentrerons tous nos hommes sur l'un des itinéraires. Ils ne passeront pas. Sur l'autre itinéraire, El Gigante s'occupera de tout. Donc ça, c'est un boss, il me semble. Quel que soit le chemin qu'ils choisiront, la fille ne sortira jamais d'ici vivant. Ok, donc c'est un plan contre nous. Ah, si, il y a un truc là. Mission pour le TMP. Je crois pas qu'on ait assez de sous. Ouais. Ah, on peut acheter des nouveaux trucs. Le Punisher. Voyons voir le comparer au flingue de base. Puissance de feu, c'est pourri. Cadence de tir, c'est presque pareil. Rechargement, c'est plus rapide. Contenance, ok. Bon. Ouais, non, je trouve pas que pour l'instant les flingues se valent un peu tous. Ok, donc on peut pas aller à droite. Donc on nous oblige d'aller à gauche. Je crois qu'il n'y a que ce chemin. Ah non, si, on a le choix entre gauche et droite. J'ai cru comprendre qu'à droite, c'était le géant. Alors, mais c'est soit le Punisher, soit le Red 9. Quand tu vises tous les petits emblèmes bleus. Oui, d'accord. C'est une. Ouais, d'accord. C'est le truc des petits machins bleus, là. Un bon 9 mm, le Red 9. Attends. Attends, attends. Ouais, vu qu'on l'a pas, on pourrait vendre le flingue alors. Attendez. Si on vend notre pistolet, on le vend 22 000. Alors, 1,4, 1,47, 16,04. Le marchand te le donne. Ah, parce que on a fait les trucs des disques bleus. Non, là il faut l'acheter. Alors attends. Ouais, le Red 9 de base, la puissance de feu est bien meilleure. Et le Punisher, ça a l'air d'être un peu du caca. Par contre, on recharge très vite. Oui, il me le donne pas parce que je l'ai pas fait, d'accord. J'ai pas tout fait. Ah, j'hésite. J'hésite. Est-ce que je vends le 9 mm et je prends le Red 9 et je l'optimise? J'hésite. Parce que c'est vrai que les caractéristiques de base sont pas mal. Est-ce qu'on le fait? Merci Elpa, j'ai pas vu. Merci pour le follow, il n'y avait pas le jingle. Je pense que je l'ai pas mis du coup. Mais merci. Ouais, j'aimerais bien. Je pense qu'on va faire ça parce que. Le pistolet, on l'a amélioré, mais c'est pas la folie, hein. Allez. Ouais, je veux le vendre. Ok, on va acheter le Red 9. Il est pas trop cher, c'est pas grave si on se fait.
Ok, belle arme. Ok. Du coup, ah, il prend de la place. Il prend 4 cases. Ok, on va le mettre là. Et du coup, ils vendent quoi? Ils vendent une crosse aussi destinée au... Absorbe et dissipe 80% du recul. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Putain, 80%, mais c'est énorme. La crosse, pas besoin de la prendre. Bon, ok. On va pas la prendre pour l'instant, on verra. On va voir comment ça fonctionne. Donc, on veut pas acheter. Non, non, on veut pas acheter. On veut. Si on peut optimiser vite fait. Bah, 0,53, 0,47. Vitesse de rechargement, c'est pas beaucoup, je trouve. On n'a pas beaucoup de rechargement. Du coup, 1,8 en puissance de feu, ça commence à être pas mal. Cadence de tir, je pense pas, c'est pas mal, 0,53 pour l'instant. Ok, allez. Ok, c'est bon, allez. On a passé assez de temps là-dedans. Allez. Je vais juste. Voilà. Je vais juste. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je fais vite fait une réorganisation. Ça me plaît pas trop, ça. Hop. Ouais. On va le mettre là. Et après, on y va. Ok. Et du coup, on peut le mettre là-haut. Parfait, c'est mieux. C'est mieux. Allez, on va sauvegarder comme ça. Vu qu'on a acheté le truc et tout. Ah ouais. 2,0. Le pistolet pleine puissance, donc tu parles du 9 mm de base qu'on nous donne, il va jusqu'à 2,0 et le raid 3,6, donc ouais c'est énorme. Et avec l'exclusivité, donc l'exclusivité c'est quoi? C'est la crosse. C'est la crosse du coup. Ouais il est classe, ok. Allez on va aller à gauche. Donc c'est là, voilà. Gauche, c'est là. Allez, hop, on y va. De mémoire, il me semble que la première fois que j'y ai joué, j'étais aussi allé à gauche. Mais j'en suis pas sûr. Ok, donc toi, hop, dans ta petite rotule, hop là. Ah putain, quand même 5 coups. Oh! Ah, je m'y attendais pas, tiens. Ça a explosé, dis donc. Ok, on va la cacher, elle, du coup, parce que... Ah, bien joué. Ah, merde. Transformation, du coup, danger. On va prendre, du coup, petit machin comme ça. Merde, non. Vite. Petit coup dans la rotule. Voilà. Ok, on va prendre ça. Des munitions pour le pompe, c'est pas mal, c'est intéressant. L'exclusivité, c'est genre augmenter toutes les stats du R9. Une autre amélioration qui est l'exclusivité. L'amélioration va augmenter la puissance de feu du R9 et de là. Ok.
Le cimetière du début, tous les boss dedans, sauf certains qui sont encore en vie. Ok, alors. Ok, donc on nous proposera une exclusivité bien plus tard. Ça, je ne m'en rappelais pas du tout. Ok, on a des munitions pour le pompe, c'est pas mal ça. Ouais, on a beaucoup de munitions, 9 mm. On va utiliser un peu le TMP, tiens. C'est pas mal comme arme. Si on l'utilise bien, c'est pas mal. Elle se transforme ou pas? Non, ça va. Ouais, pas mal, pas mal. Ok, donc. Elle peut venir. C'est parfait. Donc on vient de là. Ok. Ah ouais, ils sont encore. Ah ouais, d'accord, ils sont encore là. Du coup. Bah du coup, cache-toi maintenant parce que. Voilà. Un peu invincible. TMP fait pas trop de dégâts. Ah ouais. Il fait même pas du tout de dégâts quoi. Ouais, faut beaucoup de balles. Hein. Pour ceux qui ont muté, il faut beaucoup de balles. Mais bon. C'est pas une arme que j'aime. Ça permet juste de tuer quelques ennemis. Voilà. Et vu qu'on en avait pas mal, on l'utilise. Les gars, quand tu seras en bas dans le rond, prépare le pompe. En bas là, dans le dans l'espèce de d'arène là, je sais pas quoi. Ok, on préparera le pompe. Ok. Pas d'autre chose. Ok, bon. Je crois qu'on peut descendre maintenant. Du coup. Ouais, le pompe, 12 munitions. Si on les utilise bien, ça devrait passer. Alors. Ah, il y a des munitions, j'ai vu, pour le pompe. Parfait. Ouais, t'inquiète, on va te rattraper. Il y a l'air d'y avoir rien du tout ici. Non. Est-ce qu'on peut pousser ça? Non, mais il n'y a rien ici, donc ça sert à rien. Tu remontes. Voilà, on regrimpe. Non, pas faire tomber, on veut sauter. Voilà. C'est un peu con de la rattraper parce que. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ok. Ah ouais, carrément. Wouah! La vache! Ah ouais, il y a en plus des mecs bizarres. Ok, allez. Super. Ah, vite, faut recharger. Ok, ça va. Ça a l'air d'aller. Elles ont pas mal de vie quand même. Hein. Elle est toujours pas morte? Quoi? Oh, j'avais pas vu. Ah, j'avais pas vu. Ah ouais, mais c'est chiant ce truc. On recommence d'où là? Ah, on doit tout se refaire là. Oh là là, putain. Oh my god. Ok. Hop. Ah, j'ai pas fait gaffe à Ashley. J'entendais gueuler, mais en fait. Enfin, j'ai pas fait gaffe, quoi.
Ok. J'ai pas compris qui c'est qui l'a amené parce que ça devait être quelqu'un qui devait être au-dessus. Non mais... Oh ouais, ils enlèvent max de vie. Oh là là, putain, c'est affreux ce truc. Bah je réessaye un petit coup. Si jamais c'est... si jamais je remeurs, on changera. On ira de l'autre côté. Oh putain. Vu qu'on n'a pas... vu qu'on n'a pas amélioré la cadence de tir et le rechargement, c'est... C'est compliqué. Ok, d'accord. Petite grenade. Putain, il est toujours pas mort, hein. Bon, on va prendre le TMP comme tout à l'heure. Ah d'accord, on peut la laisser. D'accord, bon, on la laisse du coup. On la laisse du coup. Ok. On va la garder dans la petite benne à ordures. Ah ouais, d'accord. Bien visé. T'as bien visé, Billy. Ok. Ouais, mais viser la tête augmente vraiment la chance que... Bah qui mute quoi donc. Alors je veux bien viser la tête là. Bon là j'ai eu du bol parce que... Mais c'est random hein. C'est aléatoire. Et là j'ai pété la tête et du coup... Ouais. Ah ouais, quoique. Quoique, c'était un peu plus efficace. Ok. Là, il y avait des trucs. Ouais, mais je rêve où les... Ah non, j'ai rien dit. Par contre, il me semblait tout à l'heure qu'on avait récupéré sur ce tonneau... des munitions du TMP et là c'était de l'argent donc c'est random aussi apparemment. À faire des coups de pied. Ok. Là il y a quoi ici? C'est là, non? Ouais, c'est là. Ok. On a des munitions. On n'a pas de grenades. Ok. Est-ce qu'on peut monter? Ah, mais d'accord, on n'est pas obligé de rester là. Ah, c'est bon. Je pensais qu'on était bloqué, moi. Ah merde, elle est juste à côté. Ah ouais, d'accord. Ok.
Oh! Putain, elle m'a surpris, elle. Ok, on les a tués. C'est nickel. Ok, lui va se transformer. On va dégager. Ok, on n'a plus rien. On va prendre ça. Voilà. Bon, c'était pas dur, hein. On les a tués assez rapidement. Vous avez tué la clé du champ. Du camp, pardon. Ok. Et un petit rubis. Ok. Il n'y a rien d'autre ici? Non. Ok. Elle vient ou pas? Alors ça doit être là la clé du camp, non? Eh ouais. Ouais, mais du coup ça doit être ici, ça doit être le, ça doit être le géant alors. Attendez, on vient de là, là? Il y a une autre porte ici. On peut... Ah ouais, ok. Bah, attendez. J'ai envie de regarder de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, il y a des méchants. Là, il y a des méchants. Et dans le souterrain, c'est quoi? C'est un raccourci ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Attendez, on peut le péter ça? Non? Je sais pas ce que c'est. Bon allez, on remonte. Il n'y a que dalle. Peut-être qu'il faudra revenir un peu plus tard. Je ne sais pas. Allez, on se cache. Voilà. Ok, c'est reparti. Oh putain, il y a masse d'ennemis ici. Où tu vas, toi? Où tu vas? Oula, ouais, là, on va pas faire long feu, là. Oh, ce people. Ok, venez par ici. Putain. Ah, je vais me faire toucher. Aïe, aïe, aïe. La merde là. Oh,
Oh là là, mais... On va crever. On va crever, j'aimerais bien me barrer d'ici, mais j'ai plus rien. Ok, lui... Ah ouais, d'accord. Ah, d'accord, génial. Oui, bien sûr. Bah, j'avais plus que le flingue, donc c'était un peu chaud quand même, hein. Mais bon. Du coup, on recommence de là. Ah, attendez. Ça veut dire, il n'y a pas... Ok. Ok, j'ai compris. Il n'y a pas de chargement entre la zone. Donc normalement, ils vont m'autoriser à ce que j'aille dans l'autre zone. Mais vu qu'il n'y a pas de temps de chargement, je vais pouvoir y aller. Sans Ashley, bien sûr. Voyons un peu. Ah, mais d'accord, on peut passer. Putain, mais j'oublie à chaque fois. Ok. Donc on peut passer comme ça, d'accord. Je me suis tué tout seul en fait, hein. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Ah, des munitions pour le pompe. Intéressant. Ouais, là c'est déjà mieux parce que... j'en ai tué quelques-uns. Ouais, c'est de ma faute. Hop là. Ok, le pompe, le pompe. Ah, je crois avoir compris comment on peut les niquer. On va pouvoir recharger. Hop. Putain, il passe. Ok. Ouais, du coup, c'est un peu la technique du Kikimu, mais bon. Ouais. Pas qu'ils viennent des autres côtés, non, c'est bon. Dégage toi. Toi aussi dégage. Je sais pas si ça leur fait des dégâts de tomber comme ça. J'en ai aucune idée. Ah. Elle est pas con, espérons qu'elle se transforme pas. Ok, c'est parfait. Alors, elle, si je peux la brûler. Bah, c'est bon. Alors, est-ce qu'on les a tous tués parce qu'ils étaient vraiment nombreux? Du coup, on va l'appeler. Ça leur fait des dégâts de tomber des échelles comme ça, ok. Pour le pompe, attends que les ennemis soient bien regroupés. Ok, ouais, ça, je le savais un petit peu. J'attends toujours qu'il y en ait 2-3. Mais c'est sûr que c'est toujours mieux d'attendre qu'ils soient bien regroupés, ouais. On les a tous tués? Ah non, il en restait. Je me doutais bien. Ok, lui s'est transformé.
Ok, parfait. Bon. Bon, là je sais pas. Ah, il y a des trucs ici. Bien. Du coup, munitions pour le pont, pouvoir charger. Voilà. Je vais pas utiliser de soins. Je pense que ça va. Ok, on a déverrouillé cette porte. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une caisse. Ok. Comment t'es là, toi? Il y a un autre accès pour y aller, à mon avis. Ah, par là, d'accord. Ok. Alors, là, c'est le château, il me semble. Mais je crois pas qu'on puisse y aller. Il faut un truc. Ah, le rubis peut-être. Ça doit être le rubis à mon avis. On va pas y aller. Un lance-roquette. Bah, tu vois, le truc, c'est que j'aimerais découvrir, enfin redécouvrir par moi-même. J'apprécie les conseils, tout ça, mais c'est plus marrant si on galère, tu vois. Parce que si on galère pas, c'est pas marrant, tu vois. Ça fait durer au moins les parties de live, quoi. Au moins, on le finit pas vite fait, bien fait. Je sais qu'il est assez long, hein, quand on le fait normalement. Donc, ça nous laissera un peu de temps. Défense du village. Sous-estimer les qualités de l'agent américain. Il est toujours vivant. Ok. Devoir changer nos priorités. Il faut pas une certaine partie. Une cabane sert à torturer les traîtres. C'est l'endroit idéal. Hein. Guet-apens. Ok, bon. Toujours l'histoire du guet-apens. Pas très intéressant. Enfin, ils disent un peu toujours la même chose à chaque fois. Ok, le marchand est là. Et là, il y a un truc. Il y a pas mal d'endroits là, pour l'instant. Pas mal d'endroits à explorer. Qu'est-ce qu'on peut vendre vite fait là? Le rubis. Ouais, j'avais pas mal de grenades à un moment donné. Je pense que j'ai dû les utiliser dans la cabane. De toute façon, on n'a pas assez pour le lance-roquette. Mais je sais qu'il y a un boss pas loin. Dans la cabane, je m'en rappelle de ça. Donc, après, je sais, le château, tout ça, j'ai des flashs. Mais je veux dire, le reste, ce qu'il faut prendre à tel moment ou pas prendre. Je m'en rappelle plus de ça, par contre. Qu'est-ce que c'est que ça? Impossible. Ok, je crois comprendre ce que c'est. Ça doit être l'autre chemin de tout à l'heure.
Je vais quand même vérifier si on peut pas aller au château. À mon avis, on peut pas. Ça m'étonnerait qu'on puisse y aller. Ah oui, l'œil. Oui, d'accord. Ça y est, je me rappelle de ça. L'œil du boss qui est là-bas. Là, il y a un boss. Je m'en rappelle, dans la cabane. Cabane complètement énorme. J'avais adoré la façon dont on rentre, justement. Enfin, quand on arrive à la cabane, je trouve que c'est pas mal fait. On va pas y aller. On va essayer d'aller à l'autre chemin, là où il y a le troll, je crois. J'ai pas sauvegardé. Non, il faut que je sauvegarde. Est-ce que j'ai sauvegardé? Dites-moi si j'ai sauvegardé, je m'en rappelle plus. Est-ce que j'ai fait une sauvegarde? Non mais est-ce que j'ai sauvegardé? Bon, je vais y aller. Tant pis, on y va quand même. Je m'en rappelle plus en fait. Elle est où? Elle est là. Je m'en rappelle plus. Je crois pas que j'avais sauvegardé. Ok, c'est bon. On va retourner pour déverrouiller. Je pense que c'est ça. Ça me paraît logique. On a fait un petit tour pour rien, c'est pas grave. Pas mal ce décor, j'aime bien ce décor. Avant d'arriver au château. Donc c'est bien qu'on ait sauvegardé là-bas, comme ça, si jamais il y a un problème, on passera justement ben, à l'autre boss dans la cabane. Donc là, les trucs ont respawn. Ok. D'accord, on n'est pas obligé de tuer le giganté. Je comprends pas pourquoi on la rattrape. Il y a une échelle et pourrait descendre à l'échelle. C'est débile ça. Ça, c'est parce qu'ils ont voulu essayer de créer un truc, une espèce de relation avec les personnages. Enfin, il y a une échelle, donc tu descends l'échelle, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu vas te compliquer la vie à la rattraper, quoi. Enfin bon, ça, c'est les développeurs. Ok, droite. Bon, on va essayer de se le faire quand même, le boss. Si je vois que c'est un peu trop chaud, on essaiera l'autre méthode, mais on va essayer quand même de battre les boss, parce que c'est toujours bien de battre un boss, quoi. Ok, donc là, ça sent le piège, hein. La grosse boule comme ça, moi je dis ça sent le piège. Préparons-nous. Ah, c'est déjà le boss. Ok, il nous montre ça. Oui, c'est cool. Oui, je crois avoir compris, mais il faut attendre le bon moment, n'est-ce pas? Quoi? Oh non, il a rattrapé. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Qu'est-ce que... Enfin, j'aurais dû faire reste ici. Elle s'est fait démonter. Démonter. Il l'a défoncé. Ah non, attends. Attends. Il arrive de quel côté? Parce que la boule était de l'autre côté, donc non. Il faut la prendre avec nous et lui dire reste ici. Eh oui.
Mais reste pas ici, putain, ne me montre pas le truc, bordel. Voilà. Et donc, on se casse, non? On se casse, le couteau, je crois, le couteau. Allez. Vite. Mais non, bah tu déconnes. Ah putain, il faut être très rapide. Ah, il faut être rapide. Ok. Ah, elle casse les pieds celle-là. Pourquoi ils ont fait ça, putain? Que c'est nul. Sert à rien. Ça, c'est justement la difficulté. C'est même pas le jeu. C'est carrément elle, quoi. C'est. Il vient ou pas? Bon, mais attends. Oh là là. Ah, faut le faire avant. Putain. Oh, la fenêtre, quoi. Ok, casse les chaînes au loin. Ouais, c'est peut-être mieux. Est-ce qu'on peut d'ici? Ouais, je sais pas. On va avancer un tout petit peu. Ok, le timing est vraiment serré. Il la chope vraiment tôt. Ok, voilà, on a éclaté les chaînes. Va pas bloquer sur un truc aussi simple, quoi, quand même. Mais je sais pas du coup, est-ce que si je fais ça direct. Ok, c'était mieux. Allez, viens. Dans une cabane. Du coup, oh putain. Oh là là, il y a masse de trucs ici. Putain, on n'y voit rien. Avec cette caméra. Allez, ouvre la porte. Voilà. Est-ce qu'on serait pas bloqué ici? Oh non! Oh merde! Ouais, mais je sais pas où est la clé du coup. Attends, va. Est-ce qu'on peut le défoncer? Il a un point faible ou pas? Oh le con! Espérons qu'elle va pas se faire démonter. Ah, elle est là la clé. Ah, du coup je tente, je prends tous les trucs. Ah putain, il a chopé. Connard. Enfoiré. Ok. Donc la clé est dans la deuxième cabane à mon avis. J'aimerais bien quand même choper les munitions quoi. Il y en a vraiment beaucoup. Ça serait intéressant de. Ce serait intéressant de les prendre. Je vais essayer de me manier. À vraiment essayer de tout prendre. Attendez, je vais peut-être me soigner. Je dois être lent quand je suis comme ça. Ma vitesse, elle est pas. Je vais essayer de prendre le max de choses. Ok, ça devrait le faire. Ah putain, là. Elle est là. Allez, allez, allez! Vite! Oh putain. Pas grave, je sais qu'il y avait encore un autre truc, mais on l'a pas pris. Voilà, là on a eu du bol. Ok, je pense que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, on l'utilise. On a. Voilà, c'est bon. Je pense pas qu'il puisse venir. C'est du perfect. Ok. On a pris la grande partie des choses. On va sauvegarder. Ouais, merci, merci pour le GG.
Ouais, je voulais quand même prendre le max de munitions. C'est important quand même, il y avait vraiment beaucoup de trucs. Ça serait con de passer à côté. Alors, 26 000. On va acheter peut-être des grenades du coup. Parce que là, on en a besoin, je pense. Est-ce qu'il vend? Ah non, il en vend pas, ah, je pensais. Oh merde, on n'a pas assez. Voyons voir, est-ce qu'on peut vendre des trucs? Je crois qu'il y avait des spinels ou des trucs dans le genre. Du coup, on peut acheter le roquette. Ah ouais, on peut pas acheter. Ouais. On peut pas acheter de grenades. Ouais. Ok. On pourrait acheter le fameux lance-roquette. Le problème, c'est qu'il prend énormément de place, quoi. On va pas le faire, on va pas le faire. On va pas le faire. On n'a pas une mallette assez grande. Ok. Alors. Un petit téléphérique. Oh, mais il y a un mec là. Voilà. On est trop loin pour l'autre. Allez, on va monter. Voilà. J'en ai vu un autre. Là-bas. Oh. D'accord. Voilà, toi, c'est bon. Hop. Je sais pas si on était obligé de les tuer. On pourrait esquiver. Peut-être qu'ils sautent, non? Ils sautent pas? Bah, en fait, ils font rien. Ok. Voyons, on aurait pu esquiver, on n'était peut-être pas obligé. Ouais, ok. Bon. Je sais pas. Pour changer le truc, je sais que si on part, on revient, on a une couleur différente, mais je crois qu'on peut. On peut. Je crois qu'on peut, dans le truc de la discussion, on peut choisir une couleur, il me semble. Si vous allez dans le petit rouage, il me semble que vous pouvez choisir. Ah, on peut ouvrir des trucs. Petit casier. Bah si, Cornflex, il vient de changer. Je l'utiliserai pour m'échapper. Le mec il pense déjà. Il sait déjà que ça va mal se passer quoi. Ce gros spoil. Putain, on voit de là-bas la lumière du marchand quoi. La distance d'affichage est quand même assez élevée. C'était un jeu, je sais pas, de 2007 je crois ou 2008.
C'est quand même pas mal hein, d'avoir une distance d'affichage aussi élevée. Ah, c'est ici la cabane. La cabane est ici. Là-bas, c'est quoi? Oh! On a eu du bol de pas se faire toucher. Ok, il a rien laissé. Mais je me demande où est-ce qu'on va là? Deux coups. Lui, on lui a pété les deux rotules et il était déjà mort, quoi. Ah, il y a un petit coffre. Et un autel de sacrifice. Est-ce qu'un rituel a été pratiqué? Bah, sans déconner. Ah. Un œil de chat. Tiens, un œil de chat. Je sais pas si c'est un objet important. Ok. Ah, mais il y a des trucs là. Il nous a laissé des petits machins là. Pas mal de munitions. On sait ce que ça implique. Bon, allez, on va sauvegarder. Ok, le pistolet, on va peut-être pas l'utiliser. On a des grenades. On a ça. Est-ce qu'il nous donne des trucs avant de rentrer? Non. J'ai pas l'impression, on nous a donné quand même pas mal de trucs déjà. Ok, bon, ça commence. Moi, le pas, je le vois en vert. Vert foncé. Ok, le TMP. Et Cornflakes, moi, je le vois en rouge. Ok, le mec fait 3 mètres de haut. Mort de rire. Il a complètement tordu les poignets. Oh merde! Ah ouais, mais bon, comment tu veux savoir un truc pareil? Il va nous exploser la gueule là. Voilà, je crois qu'on est mort. Voilà, hop là, il nous a brisé la nuque, c'est parfait. Un petit craquage de cou. Nickel. Ils te préviennent pas, tu sais même pas, tu vois, c'est dans la cinématique et tout, tu sais pas quoi. On s'est fait craquer notre petit cou. Ok, on va préparer le TMP du coup. Le problème c'est qu'on recharge vraiment pas vite avec ça. Du coup j'agite la souris direct. Ah merde, c'est X et C. Ok, super. Oh, ils sont chiants, hein. Bien joué. Bien joué le jeu. Ok,
Donc on va essayer XC ou la souris. On va se préparer. À tous les coups, on va sortir un autre truc. Alors de mémoire, je sais. Putain. C'est bien qu'ils changent les QTE, mais voilà quoi. T'es obligé de crever. Hasta luego, ouais, mais je crois pas, non. Le feu ne lui fait rien. Ça a carrément muté, quoi. Ok, bye, Boglion. Magnifique. Putain. Ok, je voyais plus rien. Voilà, on va avoir, je pense, quelques morts quand même. TMP, TMP. On va essayer d'utiliser TMP, mais bon, le problème c'est que. Oh. Ok, non, c'est bon. Je sais pas trop où il faut viser, mais je vise au milieu. Est-ce qu'on peut monter? Il me semble que oui. Ouais, on peut monter. Nickel. Du coup, il fait quoi? Ouais, on va peut-être utiliser de la grenade. Je sais pas si ça lui fait quelque chose, mais on va essayer. Voilà. On utilise tout ce qu'on a. Où est-ce qu'il est? Voilà. Deuxième phase, à mon avis. Ok. Ok. Oh. Oh là là. Ok. Il se la joue à la Spider-Man. Hop là. Le pompe. Mais est-ce qu'on a encore. Ah oui. Oh là là, ouais. On a de la munition. J'avais pas vu. On a carrément 18. Où est-ce qu'il est? Ah! On l'a fait tomber. Allez, Billy. Bon, il enlève pas trop de vie, ça. Je pense qu'on est loin, là. Est-ce qu'il va venir? Bon, il était pas très dur, hein. Dans mes souvenirs, il était pas dur non plus. La fin d'une lignée. Succès déverrouillé. La fin d'une lignée. Et on va choper tout ce qu'on peut choper. Je pense pas que le feu. Enfin, je veux dire. Je pense pas que si on se dépêche pas, on va mourir dans le feu, je pense pas. Je pense qu'on peut rester autant qu'on veut ici. Bon. Bah, du coup, on l'a eu du premier coup, non? Enfin, on est mort sur les QTE, mais je veux dire, sur la phase du machin, on l'a eu, quoi. Mille, ah ouais. Chaque fois qu'on tue un boss, on a du pognon. Ok. Les leviers de la porte sont tordus, impossible. Ok. Ah ouais. C'est vrai qu'il a tordu les trucs. Bon, il doit y avoir une fenêtre alors. Une petite fenêtre. Une fenêtre, s'il vous plaît. Non. Ça, c'est bon, non? C'est pas une fenêtre, ça?
Par où est-ce, par où on doit sortir? Il va y avoir un truc là que j'ai pas vu. Il y a un truc que j'ai pas vu. Ah, ça peut. Non. Où il y a le feu? Quoi là? Je vais mourir là. Oula, ouais, d'accord. Ok. D'accord. Ok, c'était par ici. Bon. Bah c'est bon alors. Il n'y avait rien à faire, il fallait prendre l'œil et je pense que maintenant on peut aller au château. Après, bon, là c'était assez simple. C'est vrai qu'on est mort. On est mort pas mal de fois, mais là c'était plutôt simple. On va pas sauvegarder ici, je pense pas que. Je pense pas qu'il va y avoir de trucs. Et mais du coup. Ah salut JP. Et du coup. Et ça sert à quoi d'aller là-bas? L'hôtel il sert à rien. On est bien d'accord. Et est-ce que là il y a un truc? On dirait le panneau de la nacelle, il vaut mieux ne pas y toucher. Bon, ok, bon. Il veut pas y toucher. On peut pas y toucher. Ok. Il y a plein de passages. Genre l'hôtel, bon, je sais pas trop ce qu'il y a à faire. Et il y avait un autre passage dans l'arène là. Où il y avait des planches de bois qui bloquaient un accès. Je sais pas où ça mène. Ok, donc là on est là. Il y a un petit tonneau. On va y aller. TMP. Ok. Combien on a d'argent là? Ah, 61 000. D'accord, on peut pas aller dans les passages que j'ai dit. Et l'hôtel, on s'en fout. L'hôtel de sacrifice, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'on peut vendre? On peut vendre une spinelle. On peut vendre un œil de chat. Et c'est tout. Alors, acheter. Je pense pas qu'on va acheter quoi que ce soit. Ça sert à que dalle, on m'a dit. De toute façon, il n'y a rien d'intéressant. Alors, optimiser. Du coup. Tu auras un marchand au château, il aura de nouvelles choses. Je vais t'écouter parce que c'est vrai qu'il n'y a pas. On va voir, allez. On optimisera plus tard. Pour l'instant, les ennemis sont pas trop coriaces. Voilà, donc là on utilise l'œil. Voilà. Ok, on est au château. Alors le château, je me rappelle que le début, il y a pas mal d'ennemis, normalement. Il me semble qu'il y a un truc aussi avec une charrette. Ah, une camionnette, voilà, la camionnette. Une charrette. Ah non, peut-être pas. Ah, faut tuer le mec. Ouais, c'est bon. Ok, d'accord. Ouais, j'ai vite vu qu'il y avait un espèce de.
Merde. Oh, il y a les mecs. Oh non, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Ah, ils sont vachement nombreux. Allez, on y va. Quoique là, il y a des tonneaux. J'ai bien envie de voir qu'est-ce qu'il y a. Ok. On va essayer de faire ça vite fait. Hop, on a eu des trucs. Ah ouais, ils nous suivent. Ouais, là ils sont trop nombreux. Ok, c'est une phase où on joue pas, d'accord. Okay. C'est dommage, on aurait pu le faire aussi, hein. Ah ouais, c'était la fin du chapitre, ok. h 10 de jeu. Je sais pas en combien de temps on va le terminer. Ça m'a l'air plutôt rapide, 4 heures pour à l'arrivée du château, mais je sais qu'il y a autre chose que le château après. Il me semble qu'il y a une espèce d'île bien plus tard. Si je me trompe pas. Ok, donc là il y a le marchand. Comme prévu. Petite spinelle. Munitions. Non. Il n'y avait rien. Il y a pas mal de trucs là. Hein. D'accord, un serpent. Super. Attendez pas du tout. Ils ont pas des trucs des fois les serpents. Si je prends non. Voilà. Ah si, il donne un œuf. Un œuf de poule. Bizarre. Ok, 5000. Bah dis donc, on commence à avoir pas mal d'argent. Ouais, il donne un œuf de poule. T'inquiète, je fouille tout. Je suis un joueur qui fouille tout et j'aime pas trop quand il y a des trucs que j'ai pas exploré. J'explore tout moi. Ok, ça peut te guérir. Ok, les œufs de poule peuvent guérir. Ah, la mallette. Bah du coup. Oula, ouais, il y a pas mal de trucs. Voyons voir ce qu'il y a là. Ah ouais, là, il y a pas mal de trucs. Bon, il y a des accessoires. Mais. Donc, le pistolet, on a dit non. Punisher, non. Le Blacktail. Quoi? 13 de puissance de feu? Putain, c'est... Ah ouais, le truc, c'est quand même un magnum. Hein. Riot Gun. Cadence de tir fixe, vitesse de rechargement, contenance. Ouais, là il y a pas mal de trucs là. On sait pas trop quoi prendre en fait. Hein. Putain, tu sais même plus. La mallette, c'est sûr que j'aimerais bien la prendre, donc je vais la prendre la mallette. Le Riot Gun à la place du pompe. Ouais, ça m'a l'air. C'est vrai qu'il m'a l'air un peu mieux. Ouais, il a les mêmes caractéristiques, sauf que de base, la puissance de feu est bien meilleure. D'un point. Donc on va faire ça. On va vendre le fusil à pompe. 31 000 boules. Hop, on vend.
Et on va acheter Riot Gun, ouais, ça a l'air pas mal. Et par contre, on peut pas le tourner. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Comment on fait pour le tourner? Putain, on peut pas? Qu'est-ce que c'est que cette supercherie? Ouais, je vais annuler, je vais justement, je vais... Oh, c'est bizarre que je puisse pas... ok. On va le mettre de l'autre côté du coup. Voilà, ça on va le mettre là. Voilà, et je pense que là c'est bon. Ok. Allez. J'ai vendu. Est-ce que je l'ai vendu? Oui, je l'ai vendu, je crois. Riot Gun. Voilà, on va le mettre là. Est-ce qu'on peut optimiser un Red 9? Riot Gun. Ah ben voilà, puissance de feu à 20 000 quand même. Hein. Et Red 9, Red 9, Red 9. Cadence de tir, j'aimerais bien. Ça me paraît important. Vitesse de rechargement. Allez. Ok, je sais pas comment on fait pour le tourner, c'est pas grave, on fait comme ça. J'ai pas trouvé la touche. Du coup, on va prendre. Si je prends un œuf de poule, qu'est-ce que ça fait? Ok. Bah, du coup, on l'a pris. Ça, on combine. Et ça aussi. Voilà. Allez, on grimpe. Les balles de fusil, on les prend même si on n'a pas de fusil. D'accord. Pour l'instant, on n'en a pas trouvé beaucoup. C'est grand. C'est grand. Ah ben voilà, une munition de fusil. Bon, on va garder, du coup. Alors là, c'est pas où il y a les prêtres là. Je crois qu'il y a des prêtres. Corriendo. Ils n'arrêtent pas de dire ça, je sais pas ce que ça veut dire. Oh putain, il lance des. Oula, catapulte. Ok, Ashley. Il faudrait la cacher. D'accord. Ah ouais, d'accord. Bah, elle est déjà morte, c'est bien. Au moment où j'ai dit, où j'ai dit qu'on allait crever à cause des boules, et ben on est mort. Ok, bah on va la laisser là. Hein. On va la laisser là parce que sinon on va crever. Ok. Bah, du coup, même si je me suis manié, je m'en suis pris une dans la tronche. Ouais, on sait, on sait, on sait. On va courir direct. Ah bah non. On se fait quand même toucher. Ouais, ok. Il y avait un endroit. En bas là. Mais vu qu'ils sont en haut, il vaut mieux aller en haut. Peut-être pas. Si. Vite. Vite. Vite, vite. Ah! Je l'ai vu. Hop. Petit bidon. Qu'est-ce que c'est que ça? Bracelet en or. Ok, on prend. Est-ce qu'on est safe ici? J'ai l'impression. Ok, il lance ici.
Ok, là. Oh, what? Merde. Ah, oh, mais c'est bon, il y avait personne, quoi. Oui, Léon, ouais. Ouais. Ok, bon. Mais ouais, mais on peut la foutre où, cette conne? Putain. Mais attends, elle était là. Il y a un mec qui est venu, là? Mais par où? Il va y avoir un mec qui a dû se balader et qui l'a chopé. Ouais. D'accord. Ah, ça doit être eux. À mon avis, c'était eux. Putain. J'aimerais bien les tuer. Ah attends, on peut passer? Non, on peut pas passer. Ok. Ah ouais, d'accord, c'est eux. Ok, c'était eux. Je l'avais pas vu. Donc avant que la cinématique s'enclenche, j'aimerais bien le tuer. On va la laisser là, mais... Ah voilà, parfait. Ok, donc là, je pense que c'est bon. Ok, on a eu du bol. Aïe aïe aïe. Non. Ah putain, j'ai visé. Vite. Pas ça que je voulais faire. Vite, 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 vite. Merde, il n'y a pas de bidon là. Ouais, faut juste viser les mecs, ok. Par précaution. Non, c'est pas ça, putain. On s'en mêle les pinceaux. Ah, mais. Comment tu veux, quoi. Faut que je reprenne un truc là. Ah mais putain, mais l'autre il le prend et tout. Il n'y a pas de cachette pour Ashley, c'est dingue ça. On est obligé de la garder avec nous. Vite. S'il est pas trop loin. Elle est où? Ah je le vois. Ok, pas de panique. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Du coup. Il y a un mec, j'ai vu. Où est-ce qu'il est? C'est quoi ça? On peut l'utiliser peut-être, non? Ne résistera pas avec ça. Il doit y avoir un mécanisme. Ok, bon. Du coup, il y avait des trucs ici. Parfait. Et j'ai vu un autre prêtre. Ok, il tire ici. Du coup, comme j'ai tué celui d'en face... Cela ne devrait pas me toucher. Il y en a un autre. Ah voilà. De là on peut les avoir. Il y a un bidon. Ok. Donc là on devrait plus se faire avoir par les mecs. Là il y en a un.
Ok, ça c'est bon. Ah mais voilà, il y a un bidon là. J'avais pas vu. Parfait. Par contre, lui, il est là. Où est-il? Ah mais putain, il... On va pas crever sur un mec tout pourri là. On va attendre qui. Voilà. Ah bah c'est bon, il est mort. One shot. Ils étaient pas résistants. Faire pivoter. À tous les coups, c'est le canon. Ok, le canon est là. Ok. Par contre, il y avait des ennemis. Il y avait un ennemi là. Il a disparu. Il y avait un ennemi avec une faux. Il a dû mourir avec les catapultes. Donc là, c'est de là où on vient. Ok, par ici, il y a encore un marchand, il n'y a que ça. On va peut-être acheter un spray. Ouais, on va essayer d'acheter. Du coup, voilà. Ah ben non, on peut pas. On a que 3000, avec 3000 on peut rien faire, donc ok, on va faire 100. On a utilisé trop de soins. Ok, nous avons décidé de nous cacher dans un château. Ok, bon, toujours rien d'intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un truc à lire encore? Un vieux est tellement abîmé qu'on peut pas le lire. Ok, bon. Ok, il y a des mecs. Ok, on va prendre le riot gun. On va défourailler tout ça. Ok, transformation. On va s'occuper de lui. Salut Zedar. Comment ça va? Ok, toi à terre. T'as les mecs qui se poilent de rire. Ok, il y a le mec qui a muté, où est-ce qu'il est? Ah, il est parti de l'autre côté, ok. Ouais, je confirme, c'est un pompe, c'est vraiment un pompe vraiment puissant comparé à l'autre. Ok. Espèce de... Ok. Ok. Bon. On a bien fait de prendre le Riot Gun. Merci à Elpa pour le conseil. C'est un truc pas mal.
voilà, il y a des munitions là. Encore une petite spinelle, décidément. Alors, ok, c'est bon, là on a tout fait. Par contre, on vient, ouais, on vient de là, on vient de là. Donc c'est par ici. Prendre l'épée. Ok. Ben non. Attendez. Ah là, il y avait un truc. Good. Je comprends pas très bien là. Il faut juste la réutiliser. On va réutiliser. Mais ça sert à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? J'essaie de comprendre ce qui se passe. Ah, mais il y a une autre épée ici. Oh putain. D'accord. Une épée de platine. Il faut échanger les épées peut-être. Ouais, ça doit être ça. Un truc comme ça. Rettler nous demande de l'examiner. Il nous demande de l'examiner. Pourquoi on devrait examiner un truc comme ça? Et non. Non, ça sert à rien. Non, non, c'est, ça doit être ça, il faut échanger les épées. Alors, donc du coup, c'est l'épée en or. Et là-bas, c'est la platine. Ok, je comprenais pas, j'avais pas vu qu'il y avait une autre épée cachée. Allez, c'est bon. Mais je l'abandonne pas, Ashley, elle est là. Voilà. Louis est de retour. Oh shit! I must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your convulsions. Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? Yeah. And you? Yes. Damn it! The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. You stay here with Leon. He's better with the ladies. I'm sure. Why are you... It makes me feel better. Let's just leave it at that. Ok. Allez, on est reparti. Alors, on est arrivé par le petit machin là. Ok, donc là on peut aller là. Ok, il y a des mobs. On sait pas trop ce qu'ils foutent. À mon avis, on peut pas passer par ici. Voilà. Ça, c'est un classique. Que tu vas te transformer, je crois pas. T'as eu ta petite animation. Voilà. Ok, il y a du people ici. Il y a un bidon explosif ici. On va pas le shooter. On sait jamais, peut-être que ça va nous servir. Ok, on a plus de balles.
le flingue. Ok, ils sont morts. Ouais, pas lui. Parfait. Et du coup, pourquoi il y a un bidon explosif? Pourquoi il y a un bidon explosif ici? À quoi ça peut bien servir ce machin? Au cas où si les ennemis passaient par l'autre côté, mais bon. Il n'y a pas de... Oh putain. Ah ouais, les mecs avec les boucliers, c'est vrai. Mais lâche ça, toi. Mais putain, mais ouais, mais... J'aurais dû la laisser dans un coin. Pourquoi j'ai fait ça? On va la faire attendre ici, du coup. Est-ce qu'on peut passer par là? Ouais, on peut peut-être les attirer. Ouais, 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 ouais. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de les attirer. Eux, boum. Ouais, mais... Ok. Ok. Ouais, du coup, t'es un petit peu obligé de procéder par l'échec. Parce que, comme je me rappelle pas des trucs, forcément, bah, des fois je meurs. Enfin, je meurs pas, mais la partie est terminée parce que soit Ashley s'est fait tuer ou soit s'est fait enlever. Mais t'es un petit peu obligé de procéder comme ça, du coup. Ok. Ouais, eux ils sont assez chiants quand même. Hein. Ils ont les boucliers. On va se faire toucher. Vite. Il y a un mec avec une arbalète aussi, j'ai vu. Où est-ce qu'il est? Ah, il est juste là. Oh putain. J'ai mal visé. Ok, il est mort. Ok, Ashley est là. Parfait. Quel est cet endroit? Le bidon explosif me fait peur. On va te laisser là. Pourquoi le bidon explosif est ici? Ok, il y a une clé. Ah ben voilà. Je m'y attendais un petit peu, mais... ouais, ok. Putain. Merde. Si, si, je sais. Voilà, hop, hop. Ok, ils sont nombreux. Merde, il y en a un qui s'est transformé. Parfait. Du coup, lui, direct.
Ok, c'est bon. C'est bon, on a tout pris. Parfait. Ouais, j'aurais dû tilter le truc, mais bon. J'y m'y attendais, mais j'étais pas sûr. Ok. Mais j'abandonne pas Ashley, elle est pas venue? Où est-ce qu'elle est? Allez, c'est bon, elle est là. Bon, pour l'instant, on avance plutôt rapidement. Il n'y a pas eu de boss. Il n'y a pas eu de... J'entends rigoler là. Ah oui, on doit... Ouais. Ah ouais, le petit machin là, ouais. Ok, c'est ça Lazare. Ok, je me rappelle ici, on doit faire plusieurs, qu'on appelle ça. Il y a plusieurs pièces, il faut revenir plus tard pour déverrouiller une porte principale. Il me semble que c'est ça. Ouais, voilà. Et du coup, il faut trouver des... Il faut trouver des pièces pour pouvoir accéder pour la suite quoi. Une décoration, il manque quelque chose. Ouais, c'est ça. Il manque alors un espèce de lion, un espèce de, je sais pas, de chevreuil et de serpent. Ok, il me semble qu'il faut plusieurs plusieurs pièces. Du coup, on va sauvegarder. Alors, ouais, pour les pièces, ouais. Droite ou gauche? On va tenter par là. Oula, ouais, il y a plein de portes, il y a plein de trucs là. La prison. Ok. D'accord, donc là il y a du feu. Capturer Louis. D'accord, pas très intéressant encore une fois. Ok.
Ok, donc là il y a un truc qui clignote là. Une petite clé. Ok, clé de la prison. Donc la prison, c'est juste à côté. Examine le cadre où il y a la tête de Sadler. Là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, 5 000. Tiens. Alors là, j'aurais pas trouvé. Je l'ai vu, mais je me suis dit, ça sert à quoi? Parce que c'est vrai qu'on en a croisé beaucoup, donc c'était un tableau comme un autre. Et en fait, il y avait un truc. Ok. La prison. Ah, la prison, je me rappelle, ouais, il y a un espèce de Wolverine. Je me rappelle qu'il est balèze. Donc, Wolverine. Wolverine me fait peur. Ouais. Il y a des plantes. On ferait mieux de se soigner, à mon avis. Ok, il y a des cloches. Merde. Ouais, dans le dos. Ouais. Ça me dit un truc, ça, dans le dos. Je suis en train de me demander à quoi ça sert de le tuer en fait. Attendez, ces cloches, ça sert à quoi ça? Attiré par le bruit. Ok, donc faut utiliser les cloches pour qu'il aille sur les trucs. Ouais. Ouais. Merde. Ouais. Ok, on peut pas remonter. Ça me paraît obvious. Ok, la clé. La clé, qu'est-ce que je dis? La cloche. Si j'envoie une petite grenade. Si j'envoie plusieurs petites grenades. Et du coup. Ah, ok, il est pas mort. Ok. C'est pas évident de viser son truc là. Ah, mais là on est dans le caca là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a moitié buggé le machin. Ah, non! Non! Oh, il enlève de la vie. Hein. Oh là là. Ouais. Viens ici, viens ici. Attendez, on va utiliser le pompe. Ok, je vois que il y a pas mal de gens sur le chat, ça s'excite. Pas de panique, apparemment. Ouais, non. Pas de panique. J'essaie de le feinter du coup. Ouais, voilà. Merde, j'ai mal visé. Ma faute. Ok, il faut l'attirer parce que du coup, il fait ses petits coups. Il fait un peu n'importe quoi.
Ok, on l'a tué, c'est bon. Alors, du coup, qu'est-ce que ça disait? Laisse Ashley, ne cours pas, tire dans le dos. Bah, c'est exactement ce qu'on a fait. On a exactement fait ce que vous avez dit. Voilà. Et ça. Ok. Les grenades, on aurait dû les garder. Bah ouais, bah, je savais pas. Je savais pas. Je sais que ça fait des dégâts, donc du coup, je les ai utilisés. Ok, one shot. D'accord. J'aimerais bien qu'il... Ok, non. Alors, je vais le faire un par un parce que sinon on va se faire trucider. Ok. Quand il y a un gars avec de la dynamite, oui, non, ça je sais, mais c'est juste que j'avais pas le timing. Il y en avait un qui était caché. Ouais, Ashley, on va peut-être lui donner un petit truc. Voilà. Allez. Ah, on est déjà dans cette salle. Ah, je pensais que c'était un peu plus loin dans le jeu quand même. D'accord, c'est déjà là, cette espèce de salle énorme. Ça m'avait marqué à l'époque. Je me rappelle, j'avais galéré ici. Hein. Je sais pas pourquoi. Mais je devais pas avoir à ce moment-là assez de munitions. Pas pourquoi j'avais galéré ici. Ok, plus assez de munitions. Du coup, on reprend ça. Oh putain. Ah, j'ai tiré pourtant. Elle est en train de se faire trucider. Ok, il y a encore des mecs. C'est pour ça que j'avais galéré. Parce qu'il y avait masse de mecs. Putain, il y a un mec là. Oh là là, mais crève. Ouais, ok. Là, c'est la merde. Ouais, là c'est la grosse merdasse. On va lui donner un truc. Ah, il attaque vraiment elle, hein, ils font exprès. Et ouais, mais... Ouais, du coup... Et ouais, mais c'est ça le gros problème, c'est Ashley, quoi. On en revient toujours, mais... Voilà, il l'a prise. Enfoiré. Bon allez, bouge ton cul, toi, arrête là de faire n'importe quoi. On peut pas aller là. Ouais,
Et c'est bon, on a plus rien quoi. On est à sec. Allez. D'accord, on a activé un truc comme ça. Bah du coup, tu vas rester là. Toi. Voilà. Est-ce qu'ils vont savoir qu'elle est dans la pièce? Ah, j'ai peur là. Est-ce qu'ils la cherchent? Je sais pas s'ils peuvent faire ça. Ok, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On n'a pas assez le temps. Ok. Mais ouais, mais bon. C'est mieux de la prendre. Ouais, ouais, il y a un mec qui est allé la chercher, je crois. Putain. Ah, ils sont intelligents. Et ouais, mais allez, mais quelle éconne! J'ai demandé de la suivre. J'ai fait, allez, suis-moi et tout, et... Oh, putain. Oh là là, ce passage est chiant, ouais. Ok. Alors, on doit tout refaire. Super. Vite. Ok, allez. Ok, on la reprend du coup. Ouais, mais c'est compliqué, hein. Parce que là, du coup, ouais, mais c'est la grosse merde. Là. Vas-y. Hop. Allons droit au but, mais. Ah putain, Ashley peut l'utiliser. Ouais. Mais est-ce qu'elle sera assez rapide? Ce serait bien d'en tuer quelques-uns là. Ok, viens. Pourquoi il vient pas? Ouais. Ah non, mais je pensais que c'était plus long que ça. Ok, ok. Allez. Où est-ce qu'il faut aller là? Quoi? Ça sert à rien d'aller là. Reload la salle. Ouais, mais je vois pas comment. Je fais quoi? Je fais sauvegarder, quitter, ou je me barre de la salle, je sais pas. Je vais sortir, on va voir si ça fait quelque chose. Ouais, mais ça, tu peux pas le savoir, quoi. Ah, ouais, d'accord. Ouais, bon. Ça, tu peux le savoir que si t'as fait le jeu. Enfin, si tu te rappelles, du coup. Pour le coup, ouais. Donc, ça va nous permettre d'explorer un petit peu.
Là-bas, il y avait des jarres. On va y aller. C'est tout, je crois, ici. Il n'y avait que ça. Allez, on monte. Et là, il y avait des pièces. Ça, c'était bizarre. Il y avait des pièces vraiment... Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir d'intéressant? Ok, des plantes. Bon. Les plantes, c'est pas si mal. Et là, il y a quoi? Ah, il y a un spray. Comme quoi, c'était utile. Par contre, là, il y a une histoire de tableau. Ok, donc elle, elle va aller là. Ok, d'accord. En deux temps, je pense. Oh, le vieux truc, quoi. Surveille-moi pendant qu'il y a des ennemis, quoi. C'est ça? Pourquoi ça ne m'étonne pas? Ah ouais, mais il y a aussi des mecs là. Ouais, mais attendez. Jamais ils abusent. Hein. Ah, ils peuvent aussi aller... Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok. Vite. Mais tu déconnes là. Elle est morte, sérieux? J'ai tiré une balle. Oh. Oh putain quoi. Oh le truc. Pas de bol. C'est pas grave. Allez. Ok, allez. Quoi déjà? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un mec assez proche. Ok. Ouais. Allez, dégage-toi. Voilà, lui il est mort. J'adore comment ils sont invincibles. Hein. Les mecs se prennent des balles en pleine poire, ils meurent pas. Ok, il n'y a pas trop d'ennemis, donc ça va. C'est plutôt tranquille. Ah, et les esquives, pas vraiment. Hein. Ok, là on n'a plus de munitions. Vas-y, relève-toi. Ok, il est mort. Putain, il y a un mec qui court et tout. Ok. Bah je sais pas, là elle a pas... Il n'y a pas eu le script qui a dû s'enclencher. Peut-être qu'elle courait pas, je sais pas. J'ai pas vu. Ok, lui il est loin, ça sert à rien. Je pense pas. Ok, il faut la rattraper.
Allez, c'est bon. Est-ce qu'elle suit? Ok, on n'a plus que 8 munitions pour le flingue. Vous ne pouvez pas abandonner Ashley alors qu'elle est juste à 10 mètres. C'est comique. Ok, quelle heure il est? 17h30. Encore une petite demi-heure et après je coupe parce que ça fera 3 heures. Encore une petite demi-heure. Oui, on a réussi, hein. On a réussi. Bon, c'était pas très très compliqué. Ok, donc là, c'est une salle où il n'y a pas d'ennemis. Je vois pas de. Je vois le marchand, tout ça. À mon avis, quand il y a le marchand et la salle de sauvegarde. Qu'est-ce que je fais après? Bah. Je fais ma petite vie, quoi. Ok. Il y a pas mal de trucs là. Voilà, dans le marchand, il y a une porte là. Il y a une salle de sauvegarde là. Merde, j'aurais pas dû aller là. À vouloir tout explorer, je me suis fait. Oh le con. On a fait une boulette. Ah putain, c'est la fin du chapitre là? Ah putain. Je pensais. Bon, bah du coup, on sauvegarde, bah c'est bon. Du coup, c'est bon. Metal Gear Solid Style. Ok, Salazar, gna gna, nous avons découvert. Ah, c'est Salazar carrément qui nous parle, ok. On se demande bien comment il peut nous parler avec le talkie-walkie. Ok. Bon, il n'y a plus Ashley, c'est la bonne nouvelle. On a déjà sauvegardé le marchand, qu'est-ce qu'il donne? Ouais, parfait. Spinel, hop, on vend. Bleu de velours, on vend. Ok, il y a quoi d'autre? Acheter, pistolet, punisher. Ouais, il y a toujours rien d'intéressant à acheter là. Alors. Puissance de feu 2.1. Cadence de tir 0.40. On prend. Après, Riot Gun. On passe à 6. Contenance 9, on s'en fout un petit peu. 2,43. 2,43, c'est intéressant. 24 000 aussi. Red 9. Red 9, Red 9. Puissance de feu. Ouais. Et du coup, ben la contenance, du coup. Ok. Achète le snipe. Bon, bah tant pis. Trop tard. Pour la prochaine fois, j'achèterai le snipe. Ou une nouvelle arme. Bah. Pour l'instant. Pour l'instant, je trouve que ça va. On a nos trois armes. J'utilise le flingue et le pompe. Pour l'instant, ça suffit, je trouve.
Les autres armes, il y a pas mal de pistolets, ils sont vraiment pas très très efficaces. Après, ouais, il y a le snipe, on le prendra plus tard. Putain, il y a encore un marchand, mais putain, mais il y a que ça. Oh. Mais peut-être que. Qu'est-ce qu'il donne lui? Welcome. Choisis un type d'arme. Je sais pas. Tir rapide, c'est quoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Attendez. Je comprends pas là. Attends. Oui, donc je vais là. Ok, c'est quoi? C'est un stand de tir? Il faut être rapide. Ouais. Tendre aux charges. Et c'est tout? Et si on réappuie, qu'est-ce qui se passe? Ok, les femmes comptent un peu plus de points. Ok. 2800, nombre de prix 4, prix obtenu, bon. Ok, donc c'est des espèces de bonus. Et donc là, si on lui parle. Et donc si. Ok. Ah ouais, mais non, il faut que j'arrête, parce que sinon. Vous avez gagné 4 bouchons de bouteilles. Si tu veux. Bon. Ok. C'était sympa, mais un petit peu chiant. Allez, on va continuer. Ouais, on verra ça plus tard. Par contre, là, c'est bizarre. Ok. J'entends des bruits. Je sais pas si tu les as tous eus, bah je sais pas non plus en fait. Enfin, j'ai pas trop compris, donc j'essaierai de comprendre une prochaine fois.
Encore 20 minutes. Alors là, j'ai entendu des... J'ai entendu des bruits. Il n'y a pas des insectes ici. Ou des trucs invisibles, je sais plus. Ça sent le serpent. Ah non. Ah oui, les insectes invisibles. Ouais, ouais c'est ça. D'ailleurs, ça... Ouais. Ok, je l'ai repéré. Ah, c'est bizarre ces trucs. Ok, je crois qu'il est mort. Ouais. Bon, du coup, j'ai repéré quand on les voit un petit peu. Je sais pas, le pistolet... Ça me paraît lent comme truc. Garde les balles pour le pompe alors. Ok, je vais t'écouter. Ah merde. Il est là. Et ouais, reste sur tes gardes, mais bon. Pas évident, hein. Ok, on va rebrousser chemin. Histoire de pas se faire attaquer de tous les côtés. Où est-ce qu'il est, Ah, il est là. Ok, il est mort. Où est l'autre? Je vois pas. C'est-à-dire que quand avec la caméra est vachement proche, on voit pas trop. Ouais, il est là. Ok, la musique s'est calmée. Oh, je dois y aller, bon courage. Oui, merci Zedar, merci, merci d'être passé. On n'est pas dans une salle de boxe. Ok. On va prendre ça. C'est quoi? Bleu de velours. J'ai vu que ça rapportait pas mal. Ok. De retour. Ah mais il était pas mort. Ok c'est bon. Ah il y en a un autre. Ok il est mort aussi. Apparemment, il est mort récemment vu la blessure de rapide. Ok, bon, c'est juste pour nous prévenir qu'il y a les ennemis, quoi. Là-bas, il y a quoi? Ah ben voilà, mais il est là-haut. Ah putain, je l'avais perdu de vue. Ah il est en haut. Alors, on va prendre un petit soin à mon avis. Hop. Combiné avec ça, tac tac. Où est-ce qu'il est?
Attends, il est sur le plafond. Ok, il est là. Allez, c'est bon. Où est-ce qu'il... Parfait, c'est bon. Qu'est-ce que ça dit? Porte est rouillée, impossible. Ok. On peut aller là. Mais j'ai vu des autres trucs avant. J'ai vu des autres trucs. Là, on pouvait pas y aller. Mais là, il y a des trucs. Ok, bon, on va pas lire ces trucs-là. Ouais, les mobs sont hyper relous. Ah, mais t'es toujours pas parti, Zedar? Je croyais que t'étais parti. Ouais, ils sont assez relous. Ils sont, ils peuvent monter sur les plafonds et tout. Et du coup, si tu les as pas repérés, ouais, ça peut être chiant. Hein. Faut vraiment faire gaffe parce que avec ce décor, on les voit pas beaucoup. Enfin, on les voit pas bien plutôt. On les voit pas bien, c'est difficile. Ah bah on peut aller là. Voilà. Et du coup, voilà. On dirait machin. On vide l'eau. Ah, c'est Elpa. Ah oui, oui, non, je croyais que c'était The Dar. Ok. Autant pour moi. Et en fait, j'ai lu juste le A+ de The Dar. Je pensais qu'il partait. Ok. Ok, Elpa est parti. Bon bah il faut revenir. Ok, ils sont de retour. On va pas les tuer. On va pas les tuer. Je pense que si on va dans l'autre salle, c'est bon. Vu qu'on peut sauter. Ah et merde, il y a un truc là. On va peut-être se faire toucher du coup. Non, c'est bon. Ah, il y a des trucs. Ah, j'aimerais bien. Tant pis. Je sais pas, du coup, est-ce que si on y reva... Ah non, ils sont toujours là. Ouais. Ah j'ai que... Il y avait quoi? Bon, pff, il n'y avait pas grand chose. Ok, j'ai plus de munitions. Et là, il va pas falloir se louper. Maintenant. Ok. Ça va. C'était pas dur. On grimpe. Allez. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a là? Des pièces et une spinelle. On a récolté pas mal de joyaux là. Bon, je crois que c'est... Ouais, il est 47. Et du coup ça m'embête parce que on n'a pas vu de sauvegarde. Je crois qu'il y a une sauvegarde juste en bas. Du coup on finit cette phase si on y arrive bien sûr. Et après, je couperai. Ah, ils sont nombreux, là. On a des grenades. Je sais pas s'il faut les tuer. On peut sauter par là. On peut aller en face.
On va aller en face. Ok. Ah, ils m'ont repéré. Qu'est-ce que... D'accord. Fallait faire un truc là ou quoi? Ah, il y a un coffre. Un masque élégant. Ok, est-ce que ça on peut... Ah voilà. Du coup le... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, le marchand est là. Tu as récolté combien de pièces? Bah là j'ai que 3600, donc je peux pas faire grand chose je pense. Pour l'objectif. Et ouais. Ouais, je pense qu'on va arrêter là. Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, merci Rettler pour le follow. J'avais pas vu. Optimiser. De toute façon, on peut rien faire, donc voilà. Ouais, je pense qu'on va arrêter là parce que parce qu'il y a une solde de sauvegarde et que après je sais qu'il y a des trucs. J'ai une mémoire avec Ashley qui se fait. Il faut la libérer. Donc on va sauvegarder et on va s'arrêter là. On a bien avancé. Voilà. On va s'arrêter là. A plus frère, j'aime bien ton live. Ben, merci, ça fait plaisir que ça te plaise. C'est ce que j'essaie de faire à chaque fois que je stream. Merci Rettler. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie sur Resident Evil 4. Et je trouve que ça va. On progresse bien, on progresse normalement. On meurt souvent, mais bon. Enfin, on meurt souvent. On meurt, voilà. Allez, à plus. Ciao, ciao. Passez une bonne soirée.